Hey, salut les Pokéfans, c'est Rem27, on se retrouve en 4G encore, voilà, sur Pokémon Diamant notamment, donc ça, c'est pour vous prouver que le bug marche aussi sur Perle, voilà, j'alterne un peu de jeu de temps en temps via les Toucan Tricks, petit rappel, ça ne marche pas sur Platine, donc là on se retrouve pour le Toucan Trick de la Ligue Pokémon, c'est-à-dire qu'on va arriver direct dans la salle où on a battu Cynthia, c'est un speedrun pour terminer le jeu plus rapidement, comme vous le voyez, je suis à 2h25 de jeu. Donc on peut finir le jeu en moins de 3 heures. Je vais vous le prouver avec seulement 2 badges. Je rappelle que pour ce petit bug, il vous faudra téléport, vol, une corde sortie ou tunnel au cas où. Donc c'est un peu bête ce que je viens de dire parce que vol, si vous avez que 2 badges, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais je vous conseille quand même d'avoir le troisième badge pour utiliser vol pour ne pas rester coincé dans le glitch. Donc on va commencer. Hop. Donc je suis à 430 pas. Après l'ouverture du Void et dans le Toucan Trick. Donc pour ceux qui se demandent comment je suis arrivé là, une vidéo s'affiche, elle sera disponible aussi en description pour ceux qui sont sur téléphone, ceux qui sont sur PC, vous pouvez cliquer direct sur l'image, normalement tout sera bon, ça vous redirigera sur comment je suis arrivé là, et c'est une vidéo qui vous expliquera comment vous préparer au bug pour éviter de perdre votre sauvegarde, parce que si vous restez coincé dans le bug, vous allez perdre votre sauvegarde, donc il y a quand même un risque, mais si vous suivez mes instructions, il y a normalement, hein, je dis pas que le risque zéro existe, mais il y a peu de chances que vous perdez votre sauvegarde si vous suivez mes instructions. Donc on est à 430 pas après voilà le bâtiment de la Pokémontre, et on va remettre le compteur de pas à zéro. Hop, et on va faire 839 vers l'ouest. C'est parti. 839 pas vers l'ouest, donc vers la gauche. Pour ceux qui auraient un double écran noir, hein, ce qui arriverait, je vous invite à aller dans la description ou sur l'image qui apparaît si je le fais au montage. Sinon, vous avez tous les liens en description. Vous aurez aussi un genre de menu pour faire tous les Toucan Tricks des Pokémon de votre choix que je présente sur ma chaîne ou qui vont arriver. Voilà, le menu qui se met à jour de temps en temps, notamment qui va se mettre à jour avec cette vidéo, vu que je ne le propose pas pour le moment dans le menu. Donc on arrive bientôt vers les 800. Je vais arrêter de parler, on va mettre un petit coup d'accéléré le temps qu'on arrive aux 800. Voilà, donc on arrive aux 839. Hein. Allez-y doucement, tombez pile sur le nombre de pas demandé. Voilà, 839, c'est parfait. Donc on remet le compteur de pas à 0, et maintenant on va faire 2066 pas vers le sud. C'est parti. Donc là, vu qu'on met à peu près 1 minute pour faire 1000 pas, je vais mettre ça en accéléré. Et voilà, donc on se rapproche des 2066 pas vers le sud. J'ai ralenti un peu pour qu'on tombe pile. C'est parfait tout ça. Hop, 2066 pardon, vers le sud, c'est fait. Maintenant, on va faire 83 pas vers l'est. Donc exactement, je crois que c'est 82 plus 1 pas qui ne sera pas comptabilisé. Donc pour l'instant, on va faire 82 vers l'est, donc vers la droite. Parti. Donc on va aller assez lentement pour vous montrer, pour être sûr que le pas soit bien pas comptabilisé justement. Donc là je suis à 82, je vais en faire un de plus, et hop, il n'a pas été comptabilisé. La musique change, c'est une bonne chose. Et maintenant on va faire XABB, ça va nous faire aller dans le Pokédex et ressortir. Et là, si votre personnage est toujours là, c'est que c'est bon. Le bug a l'air de fonctionner. On sauvegarde. Si ce n'est pas le cas, votre jeu aura freeze, donc vous éteignez, vous recommencez et peut-être que ça marchera cette fois-ci. Donc là, on sauvegarde. Après avoir fait XABB, puis on reset LR plus select plus start. Donc ça va faire redémarrer le jeu. Allez, on relance le jeu tranquillement. C'est parti, Pokémon Diamant.
Donc je suis sur Capture Board, c'est bien un jeu cartouche, c'est pas un émulateur, même si ça marche sur émulateur et R4, pour ceux qui seraient curieux. Donc là on va remettre le pas, le compteur de pas à 0, et on va faire 974 pas vers le nord, c'est parti. Donc on va rentrer dans des zones un peu bizarres, on va entendre qu'on va pousser des portes si je me rappelle bien. Parce qu'en réalité on rentre dans la ligue Pokémon, sauf que les pixels ne s'affichent pas, etc. Donc ça doit être un délire du genre. D'ailleurs, je voulais préciser que vous retrouverez les sources de ce Toucan Trick en description, bien sûr. Moi, ce n'est pas moi qui ai découvert ça, j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est l'équipe de Prama Initiative. Comme tous les Toucan Trick, je m'inspire d'eux, moi je refais juste le bug. C'est grâce à eux, si je peux vous montrer ces bugs, je ne suis en gros qu'un testeur. J'espère que je vous explique bien comment faire en ayant le moins de problèmes. Si jamais il y en a qui veulent sortir du bug parce qu'ils sont coincés, etc., je vous invite à aller voir la vidéo de sortie de secours qui s'affiche maintenant et que vous retrouverez aussi en description. Comme d'habitude, tout est en description. Donc là, on va ralentir. Voilà, vous avez entendu, j'ai ouvert des portes. Sans le vouloir. Donc là, j'ai encore ouvert une porte. On va avancer juste d'un pas. Voilà. Et on va faire X A BB encore une fois. Si votre personnage est toujours là, c'est une bonne chose. Vous allez maintenant sauvegarder. Voilà, on re-sauvegarde. Et on va à nouveau reset après la sauvegarde. Voilà, on reset LR plus Select plus Start qui va faire redémarrer le jeu. Et là, normalement, si tout a bien fonctionné, que je ne suis pas trompé au niveau du pattern, on fait un pas dans la direction qu'on veut et ça fonctionnera. Et voilà, j'ai fait un pas au sud, pour vous dire. Et là, il y a Cynthia qui nous parle comme par magie. Alors, je vais juste déplacer un peu le curseur pour vous montrer que ce n'est pas du fake. Je vais élever un peu le compteur de pas, l'écran du bas exactement, pour vous montrer que Cynthia me parle. Alors Cynthia, nous allons rentrer dans le Panthéon des dresseurs. Là, il y a le professeur Sorbier, comme dans le scénario, quoi, comme quand vous avez battu Cynthia. 27, ton dernier combat était magnifique, blablabla, alors qu'on a combattu personne. Cynthia, oh bonjour professeur Sorbier, bref, il y a le dialogue. Et là, vous allez voir. Que... Bon, je vais passer le dialogue histoire de vous prouver. Et là, on va rentrer dans la salle, donc je vais remettre l'écran du bas à sa place. Et voilà, on est ici, on a battu la ligue. N'est-ce pas merveilleux? Donc, Sorbier, la dernière fois que je suis venu ici, il y a le dialogue de fin, comme d'habitude. Et voilà, je vais vous prouver que la ligue Pokémon, on l'a fait. Grâce au Toucan Trick avec seulement 2 badges. Donc j'ai des Pokémon un peu pourris. J'ai capturé un Abra pour avoir le téléport. Voilà. Et un Étourdi juste comme ça. Vous voyez les niveaux quoi. Et voilà, on a battu la ligue en 2h34. Si c'est pas un beau speedrun tout ça. Donc là ça sauvegarde. Voilà. Et ça va nous mettre le générique de fin du jeu. Donc je sais pas si je vous laisse le générique de fin du jeu ou si je reset. Comme ça je le passe. Donc sauvegarde en cours, ne pas éteindre. Et là ça nous met le générique de fin du jeu. Je pense que vous connaissez. Au pire vous l'apprécierez par vous-même. Je vais reset pour vous montrer que je suis bien à la fin du jeu. Voilà, Pokémon Diamant, Crédit, blablabla. Je vais reset, je vais faire LR plus Select plus Start. Ça va redémarrer le jeu, je m'en fous, ça a sauvegardé donc. Et normalement je vais atterrir dans ma maison. Voilà, comme à chaque fois qu'on bat la ligue, on revient dans notre maison. Voilà. Et vous allez bien voir que j'ai du coup la petite étoile, voilà, de la ligue, et j'ai pourtant que 2 badges. Voilà, j'espère que ce speedrun Toucan Trick vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Pour prochaine astuce, vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous invite à aller voir le menu qui s'affiche
voilà, qui vous redirigera vers les Pokémon Trick ou autres speedruns si j'en refais, sur Pokémon Diamant et Perle, et ainsi que d'autres vidéos, voilà, si vous avez des problèmes, etc., il y a la sortie de secours, n'hésitez pas à me poser des questions, et moi je vous dis à la prochaine, Terra 27, bye tout le monde!